Et la prise de risque est importante dans une finale de Coupe d'Europe. Et ça va être le cas dans quelques instants de Larissa Loukianenko de la Biélorussie, qui incontestablement présente un programme beaucoup plus riche. En penser, mais du côté artistique, il n'y avait rien à dire. Du côté de la difficulté, c'est tout un programme qui va être apprécié et disséqué par les juges selon, non pas leur goût, mais selon un programme technique qui est élaboré en fonction des difficultés supérieures qu'aura réalisé Larissa. Et bien, avec 9,775, elle prend la tête de cette finale au ruban.